Une première sur ma chaîne, ça va être l'ouverture d'un colis que j'ai reçu de l'une d'entre vous, d'une abonnée. Franchement, mon cœur, il a fait boum boum, je vous assure. Il est assez gros, il est assez lourd. Et quand j'ai commencé à vouloir l'ouvrir, je me suis dit non, et je vais partager ça avec vous parce que c'est énormissime. Et déjà, ne serait-ce que pour la remercier, j'ai demandé son autorisation. Donc voilà, mais j'ai trop hâte. Alors, si vous êtes prêts, j'espère que vous allez bien, que vous avez plein de belles choses qui vous arrivent, que vous avez la santé. Et je ne cesserai de le répéter, profitez, profitez, profitez de chaque moment parce que la vie est trop courte, il peut y arriver tout et n'importe quoi. Donc ne serait-ce que des petits instants, des petits moments. Là, en ce moment, on entend les petits oiseaux qui font coucou, coucou, coucou le matin et le soir, c'est juste trop, trop beau. Ne serait-ce que des jours qui s'agrandissent, voilà. Prenez soin de vous et profitez. Pour ma part, je suis hyper, hyper heureuse de vous retrouver. J'ai deux points pour commencer. Le temps, il n'est pas terrible, il n'est pas fifou. Et pourtant, je peux vous assurer qu'il est midi 59, enfin 13h. Hein. Mais ça devrait le faire. La seconde chose, c'est que je voulais vous remercier. Voilà, je pense que je vais dire pas mal merci, mais merci infiniment, on a atteint les 3K. Je sais, hein, pour certains, c'est pas beaucoup, mais pour moi, c'est juste énormissime. Et merci à tous ceux qui viennent d'arriver, à ceux qui sont là déjà depuis un petit moment. Franchement, merci de votre gentillesse, de votre bienveillance, de votre bonté, de vos partages, de vos messages, de vos commentaires, de vos bons plans. De cette aventure humaine, merci d'avoir eu cette chance et encore maintenant de chaque jour de pouvoir vous connaître, je mets entre guillemets parce que voilà, c'est virtuel, mais quoi qu'il en soit, c'est plus que virtuel, j'ai vraiment l'impression que vous faites partie de moi. Quand j'ai une vidéo, j'attends vos messages, ça me donne le sourire, ça me booste parce que bon bah pour ceux qui me suivent sur Instagram, de toute façon je vous le remets. Mais vous savez que je rentre dans des procédures judiciaires qui vont être énormes. J'ai beaucoup de démarches à faire pour ma fille. Voilà. Et en fait, ça me motive. Je ne suis pas quelqu'un qui baisse les bras, mais ça me donne encore du plus. Parce que bah, des fois, comme tout le monde, je suis faible. Et des fois, j'ai des moments de down, hein, voilà, en bas, quoi. Et parce que voilà, avec tout ça, ce n'est pas forcément toujours simple à gérer. Et vous me donnez cette force. Alors, merci infiniment d'être là, ne serait-ce que de votre soutien, c'est énorme, je vous remercie tout le temps, mais là, je vous le dis encore de vive voix, c'est oh, quelque chose d'immense, quoi, c'est mon cœur, il fond, je vous promets. Voilà, c'était la petite aparté, je vais vous préparer un concours, laissez-moi juste un petit peu de temps, le temps que là, je finisse, parce que je vous assure, j'ai énormément de rendez-vous, de tout ça et tout ça, mais je ne vous oublie jamais. Et ça va arriver. Justement, voilà. Si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas, là c'est juste en tout, c'est gratuit en fait, n'hésite pas à lâcher ton petit pouce bleu, à partager, comme je viens de le dire, c'est juste une belle aventure humaine et sincèrement, j'allais dire, allez, on va tous ensemble en direction des 4K parce que c'est, voilà, c'est nous tous, alors oui, j'en suis loin, mais voilà, j'espère comme beaucoup de gens, l'espoir fait vivre, dirais-je. Mais voilà, allez, sans plus tarder, je vais ouvrir ce colis que j'ai reçu. Merci Cindy, tu as un amour. Il est lourd et j'ai commencé à l'ouvrir. Je me suis dit, oulala, ben non, je vais l'ouvrir avec vous parce que franchement, j'ai hâte de découvrir. Je ne suis pas habituée à recevoir des choses. J'ai l'habitude de donner, mais de recevoir, j'en suis même gênée. C'est à un point où ça me fait tout drôle et voilà. Donc, il est super bien emballé. Elle m'a mis sous papier bulle. Enfin, elle m'a fait ça un truc de pro. Elle m'a laissé un petit mot aussi qui est trop choupi parce que, en plus, elle inclut toujours ma fille. Coucou les filles. Bonne réception. Voilà, c'est bisous avec des petits cœurs. C'est aussi en partage avec ma fille qui est aussi heureuse et sache qu'elle te remercie, même si elle te le dit pas là de vive voix. Mais je t'assure qu'elle a déjà vu pas mal de petits trucs. Par contre, c'est trop. C'est trop. Voilà. C'est trop pour moi. Alors, on commence. Qu'est-ce que j'ai? Alors, oui, c'est vrai. Elle m'a mis un petit magazine comme ceci avec un échantillon du mascara de Sephora. Ceci dit, ça tombe bien. Comme ça, je vais tester. J'ai pas encore testé les produits de la marque Sephora. Je sais pas si ça vous intéresse. Dites-moi ça en commentaire. Alors, c'est vrai qu'ils font beaucoup de magazines avec... J'y pense jamais. Sincèrement, j'y pense jamais.
à prendre ce genre de magazine avec des échantillons et tout. Apparemment, j'en vois pas mal passer. C'est toujours des bons plans. Donc, est-ce que vous êtes adepte de ce genre de magazine? Est-ce que vous en prenez? Mais voilà, ben écoute, ceci dit, je vais tester. Comme ça me permettra de savoir ce que vous... Vous savez, c'était la fameuse... le petit savon gommage comme ceci. Donc, ça, ma fille, elle aime bien. C'est à l'argan. Je crois que c'était une des meilleures notes. Alors là, je ne vais pas marquer les notes et tout, mais quel nom, franchement! Ensuite, mais je vous assure, j'en vois plein là-dedans. Je vais pas trop tarder. Un petit plateau, il est trop choupi avec un petit S, avec un cœur comme ceci. Oh, c'est mignon. Oh, c'est trop beau. C'est dans mon salon, en plus, ça va trop bien aller. J'adore. Ensuite, ah, c'est un bijou de téléphone. Ceci dit, il est super beau. Je ne sais pas, je n'ai jamais utilisé ce genre d'accessoire. Vous en utilisez, vous? Bah écoutez, je vais essayer. Ou alors, bah, j'ai jamais tenté le coup, mais c'est vrai qu'il est magnifique. Je ne sais pas si vous allez voir. Regardez, il est trop beau. J'adore les couleurs et tout. Elles sont hypantes. J'adore. J'ai jamais testé, hein. Donc, merci. Je vais essayer. Ensuite, un petit masque de la marque Loua anti-âge. C'est un message codé là ou tu essayes de me faire passer, je sais pas. C'est un message subliminal, hein, que ouais, ok, d'accord. Bon, je vais le prendre bien. C'est une boutade, mais ouais, voilà. Ensuite, un lipstick comme ceci, dans la couleur un petit peu rosée. Ouais, c'est assez sympa. En plus, c'est tout à fait, j'aime bien. Moi, j'aime pas vous savez, les couleurs trop, waouh. Mais oui, j'adore. Merci. Je vous promets, je suis plus à Trop. chauffer, parce que si je commence à trier, ce petit gel douche Love Potion que on va retrouver bientôt dans mon haul aussi. Alors, j'étais surprise, mais on en reparlera dans le haul. Vous savez quoi? Je pensais que c'était des gels douche lambda, super pas fifou, mais ils ont une notation qui est pas si mal que ça. C'est trop. Je sais pas ce que ça sent, honnêtement. J'ai pas encore senti et franchement. Alors oui. Ça sent bon. Alors oui, parce que dans mon action, vous savez, je vous avais dit sur ma vidéo de dimanche, ils font grève, enfin ils sont en retard et tout. C'est vrai que je galère un petit peu sur certaines nouveautés. Et du coup, on peut même marquer un petit mot ici. Je sais pas si vous avez vu. Enfin bref, oui, c'était un petit peu collection Saint-Valentin. Mais du coup, elle m'a bombardé tout ça. C'est Ensuite, il y avait long. ces petits masques qui sont sortis. Vous savez, c'est pour les zones, c'est des masques à l'argile. Voilà, comme ceci. Vous savez qu'il faut mettre sur les zones T, le nez, le front. Voilà. Donc, à tester, j'allais dire. Mais je suis assez contente. En plus, le packaging, il se ferme bien. C'est vrai que je vous prépare aussi la partie 2 des nouveautés. Il apparaissait, mais je ne le voyais pas si petit, en fait. Ensuite, Alors là, les éponges microfibres, je n'avais pas trouvé ces couleurs. J'avais les anciennes, vous savez, les plus roses et tout ça. Mais là, les couleurs, elles sont pastel, elles sont trop belles. J'adore, je les trouve magnifiques. Un vrai joli petit arc-en-ciel. Même si je ne suis pas fan du vert, honnêtement, le vert là, le vert pastel, il est hyper sympa. Mais même le reste, hein, trop bien. Même le packaging, j'ai eu ce petit kit de nouveaux crayons également. Je vous en ai parlé dans la vidéo de dimanche. Si vous n'avez pas suivi ma vidéo, allez la voir. En fait, Max & More change tout leur packaging. En fait, ils font un petit relooking de leur marque et ils repackent tout. Donc voilà, ça fait toujours place. Et apparemment, c'est des nouvelles couleurs. Donc ma fille, elle va être ravie parce qu'elle, les couleurs, elle adore. Donc merci. Ensuite, nous avons cette petite brosse. Alors, honnêtement, j'avais vraiment hésité à la prendre. Mais bah écoute, du coup, je vais l'essayer. Par contre, c'est une brosse qu'il ne faut surtout pas mouiller. Donc, je vais voir comment utiliser. C'est sur un corps sec, apparemment, sans produit, sans rien. Dry brush body, donc surtout pas à mettre. Donc, est-ce que ça suffit à frotter les impuretés, les peaux mortes comme ça, sans... Alors, on va l'ouvrir vite fait, parce que franchement... Voilà comment elle se présente, mais pas mal. Mais ça suffit pas à enlever les impuretés, quoique. Faut vraiment que je me penche dessus. Voilà comment elle se présente. Après, elle a une super prise en main. Le bois, il est vraiment sympathique. Honnêtement, ouais. Eh ben, écoute, je vais tester ça. Ensuite, nous avons droit au repack des crayons noirs, voilà, de Max & More. On n'en a jamais assez des crayons noirs. Sauf que là, bah, c'est des crayons en bois, il faut juste les tailler. Alors, vous voyez, comme je vous avais dit, le packaging, vous avez le liseré doré qui est là et tout.
Donc écoute, ça c'est pareil, je vais en mettre dans la trousse à ma pépette et tout également. Mais ouais, voilà. Des Ensuite, trios. ah bah il m'a mis, oh le Pantene 7 en 1, je vous l'ai présenté. Donc il a 7, 7 actifs, hein. Je ne veux pas tout redire là parce que sinon la vidéo elle va durer trop longtemps. Mais voilà, ça aide à la brillance, ça sert aussi. Vous savez, quand vous lissez vos cheveux, enfin bref, voilà. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, mais c'est un produit assez sympa. Pas forcément super Parce que bien du noté, coup, il mais faut que je sympa. renlève. Parce qu'elle m'a mis dans les ding-dang, encore du. Ouais, elle m'a trop bien emballé le truc. Là, nous avons le blush et nous avons la teinte peach. Voilà. Le blush que je trouvais pas très très pigmenté, Donc, ceci de dit, en nouveau un emballage. emballage. Donc, on va regarder si c'est celui-là. Je suis trop contente, ça c'est le pink. Oui, c'est ce que je n'ai jamais trouvé. Le pink blossom. Voilà. Donc il y avait, voilà, il y avait eu ces deux teintes. Oh, là, je suis trop happy. Merci. Je suis trop contente, une vraie gosse. C'est génialissime. De la marque Merci. Loi Encore, nous avons cette fois un masque pour les pieds. Yes. Franchement, c'est génial ça. Je connais pas la marque. Donc ceci dit, pour moi, je vais la découvrir. J'ai jamais Ensuite, elle testé. m'a mis le Miracle Blur de Max & More. Alors c'est pas un fond de teint, hein, c'est une base de teint. Nous sommes bien d'accord. Alors j'ai eu deux d'entre vous qui m'avaient laissé un message sous une vidéo en me disant que ça les irritait, enfin qu'elles supportaient pas que ça asséchait. Alors je sais que la note elle est pas terrible. On en reparlera également dans une autre vidéo. Je sais que la note n'est pas terrible terrible, mais apparemment ça fout quand même assez bien les pores pour justement ensuite appliquer le fond de teint, que ça vous fasse un visage assez lisse et tout. J'ai trop contente de pouvoir voir ce que ça donne. Après, on m'a posé une question. Il y a Miss, je ne sais pas si tu vas passer sur cette vidéo. Tu m'avais dit, je ne sais pas si tu as lu mon message. Quand je t'ai répondu, tu m'avais dit que tu en avais pris deux. Le premier ne te convenait pas. Sache que tu peux le ramener. S'il reste comme ça dans son emballage, que tu ne l'as pas ouvert et que tu as ton ticket de caisse, sache qu'ils vont te le reprendre. Donc, n'hésite pas. Ça ne vaut pas le coup de garder un produit chez toi dont tu ne te serviras point. Voilà. Mais happy! Est-ce que vous l'avez pris? Dites-moi ça, est-ce qu'il y en a qui l'ont pris, qui l'ont Oh, testé? j'ai eu un petit collier comme ceci, un petit pendentif avec l'arbre de vie. Il est super beau. J'ai vu qu'ils avaient sorti effectivement des nouveaux colliers. Il y en avait avec des 4 carrés, des choses comme ça. Et je ne sais pas si ça en fait partie, mais l'arbre de vie, il est super. Alors, ils disent que c'est en acier inoxydable et que voilà. Donc, après, à tester, hein, je ne sais pas, je n'ai pas encore vérifié. Mais c'est vrai qu'ils ont sorti pas mal de petits bijoux comme ça en ce moment. J'ai eu les trois faces masques également. Alors, trop bien. Donc, il y avait le premier à l'algue, l'autre au miel et l'autre à la rose. Pareil, encore une fois, on en reparlera avec les trucs. Mais voilà, je pense que oh, c'est trop beau. En plus, les packagings, ils sont trop fun. Ils sont trop hypants, je vous promets. Ah, ça donne... Waouh, j'adore ça. Ça sent, mais je vous promets de voir... C'est que des packagings, hein. Je sais, c'est débile. Hein. Mais ça vous amène au printemps, au beau jour. Il faut pas oublier qu'à la fin du mois, on augmente d'une heure. Moi, c'est les moments où... Je kiffe, c'est une dinguerie. Je fais la fête toute la nuit quand on augmente. Alors, je fais la fête, c'est une façon de dire. Hein. Je fais la fête avec moi-même. Mais je suis trop contente. C'est que du positif. Et quand je vois ces genres de packaging, comme ils sont, voilà, ils reflètent bien comment dire, le printemps qu'il a, qui va J'aime pas beaucoup qu'il tarder. en soit. Il y a ces Merci. deux gommages également pour le corps à la hache et la vitamine C. Ça, c'est les gommages scrub pour le corps. Donc, encore une fois, je ne sais pas ce que ça vaut. Je n'ai pas encore testé, je n'ai pas encore scanné. Mais je suis vraiment contente. Mais même les packagings, franchement, ils claquent. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ils sont très bien faits. Il n'y a pas à dire. Les AHA, je vous ai déjà expliqué à quoi ça correspond. C'est pour enlever vraiment tout ce qui est en surface et comment dire, qui stagne sur votre peau et ça aide à désincruster. Voilà, pour faire court et simple en gros, parce que là, on n'est pas pour débattre, mais Arrive à la voilà. fin. Oh, trop bien! Alors ça, je suis refaite. Waouh, c'est trop chouette. Oh, alors là, vous les avez vus passer. Oh, ils sont holographiques, ils sont trop beaux, je suis trop contente, c'est super. C'est les, que je dise bien la bonne appellation, hein,
Les Color Chicklip Lip Liploy, vous savez, ça prend, je crois, le pH de votre lèvre, là, de votre peau. Mais il y a comme des couleurs, apparemment. Bon, oh là là, je suis trop contente, franchement. Alors ça, c'est de l'aval. Oh, j'adore le packaging. Pareil, hein. Attendez. Attendez, parce que là, à vouloir tout mettre et tout faire, regardez. Oh, c'est trop bien. Waouh, je suis trop contente de les savoir. Il y a une odeur d'ailleurs. Ils sentent bon en plus. L'odeur, on a envie de croquer. C'est sucré, c'est. Voilà, j'en ai terminé avec mon gros colis quand même, hein, parce qu'il y avait et les deux derniers. Oh, alors ça, c'est pareil. Oh, je les ai pas. Les brumes. Moi, j'ai trouvé que les dorés que vous allez voir dans un prochain haul. Mais je n'avais pas trouvé celle-ci. Celle-ci, je ne sais pas si elle n'était pas là l'année dernière. J'ai un doute, hein, mais un gros doute. Juste sur celle-ci, par contre. Les autres, non. Mais sur celle-ci, oui. Et celle-ci, oh, j'ai hâte. Elle est trop belle. Voilà. Les brumes de corps de la marque Dior. Je vais y arriver. J'en peux plus, là. Je suis émue et c'est trop. Je crois que toutes les deux, on n'a pas trouvé la brume. Rouge avec la bouche. Et c'est vrai que bah, moi je ne l'ai jamais trouvé. Et je crois que la Miss non plus l'a jamais trouvé. Je ne sais pas. Dites-moi vous, est-ce que vous l'avez trouvé dans vos actions? Parce qu'il y en a encore une comme ça, mais rouge. Donc voilà, on va dire que c'est la seule qui va manquer. De loin. Après, vous savez, quand je pchipchite trop, j'ai mal au crâne. Déjà que j'ai mal au crâne parce que bon, je suis dans ma période. Voilà. Hein, pas fifou de femme. Mais. Merci du fond du cœur. Ah non, j'ai encore un truc. Il est là. Attendez, bougez pas. Alors là, c'est le pompon. C'est le pompon sur la Garonne, hein, c'est ça. Ah, trop bien. Oui. C'est. Ah. La dernière palette de Max & Mort. Je vous en ai parlé dans mon. Bah, encore une fois, dans mon haul de dimanche. Regardez-moi ça, repaqué, refait. Les couleurs me semblent juste sublimes. Je suis en train de dégommer le paquet à mon grand dame. On en reparle parce que on la swatchera ensemble. Mais elle est juste très belle, quoi. Regardez-moi ça. Je ne sais pas ce que ça donne celui-ci. Oh là là, ils sont crémeux en plus. Oh, t'es beau, toi. Regardez ça. Trop beau, je vais pas tous les swatcher, mais elle est magnifique cette petite palette. J'adore ces petites couleurs pour tous les jours, pour tout le monde. Je pense qu'elle conviendra à énormément de personnes. Voilà, j'allais oublier, je l'avais mis juste devant moi parce que je voulais défaire le polyester, là, le papier bulle plutôt, pas le polyester. Mais voilà. Waouh, bah écoute, comment je peux te dire ça? C'est. Les mots me manquent. Tellement que c'est waouh, généreux et beau et c'est trop. Par contre, c'est trop. Hein, sache-le, c'est vraiment trop là, mais c'est. Je suis pas habituée. Je suis ravie. Voilà. Bon, je pense que vous m'avez compris. Donc, merci du fond du cœur. Merci à vous toutes. Merci à vous tous. Merci à tous. Merci de tous. C'est le tout. Voilà. C'est comme je vous l'ai dit en début de vidéo, je ne vais pas me répéter. C'est tout ce que vous apportez. Voilà. Par vos grands cœurs, voilà. Vous êtes toutes et tous. Oh, mais juste magnifique, quoi. Voilà. Je vais arrêter là. Parce que je vais encore trop parler. Et là, je crois que j'arrive et l'émotion, elle est trop. Mais encore, merci. Même qu'encore une fois, si je dis que je ne sais pas les faire. Hein. Pas les faire, tu fais comme ça. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Si tel est le cas, comme je vous dis tout le temps, ça encourage! Et puis, n'hésitez pas à prendre soin de vous et à prendre soin de ceux que vous aimez. C'est hyper important. Merci à tous ceux qui sont là encore en fin de vidéo. Je vous fais plein de bisous, mais franchement, des bisous plein d'amour. Et on se retrouve bah, dimanche pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous!